Yo, salut à tous et bienvenue sur lecon.jp. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo super simple pour vous expliquer comment configurer des actions différentes sur les deux AirPods, puisque vous avez peut-être et sûrement eu, je vous le souhaite en tout cas, des AirPods pour Noël. Alors la magie de configurer une action spécifique sur chaque AirPod, c'est tout simplement que quand vous êtes au sport par exemple, moi ma principale problématique elle se situe quand je suis à l'entraînement, vous avez vos écouteurs dans les oreilles, vous avez le téléphone qui est dans votre sac ou au vestiaire ou loin et vous écoutez peut-être la musique directement sur votre Apple Watch où le téléphone est à côté mais vous avez des barres ou des haltères où vous êtes en train de bouger et vous n'avez pas forcément envie de toujours vous traîner votre téléphone dans la poche de votre short, c'est quand même assez pertinent de pouvoir configurer le précédent et le suivant comme c'était le cas sur les écouteurs précédents avec un fil. Vous appuyez une fois, ça faisait pause, une deuxième fois ça faisait play, deux fois rapidement ça faisait morceau suivant, trois fois rapidement ça faisait morceau précédent. De la même manière ou presque, sur les AirPods vous pouvez configurer une action spécifique à chaque écouteur, c'est même un peu plus intuitif. Par exemple, ce qu'il est possible de faire, et c'est le réglage que j'utilise, quand vous avez les deux écouteurs dans les oreilles, la musique est en lecture évidemment, quand vous en enlevez un, la musique se met en pause, pratique pour parler à quelqu'un qui vient d'arriver, vous le remettez, ça remet sur play, vous tapez deux fois côté droit, morceau suivant, deux fois côté gauche, morceau précédent. Ça reste assez ergonomique, sauf les personnes qui seraient inversées, à ce moment-là vous configurez l'inverse, mais c'est quand même assez pratique de pouvoir dire ben, celui-là je tape deux fois ça fait une action, celui-là je tape deux fois ça fait une autre action, et dans tous les cas quand j'enlève un AirPods ou les deux, ça met la musique en pause, quand je le remets la musique repart. Au rang des réglages, qu'est-ce que vous pouvez faire? Très simplement, vous pouvez évidemment sur celui de gauche par exemple dire que ça fonctionne pour Siri, le bouton play pause, le morceau précédent, le morceau suivant, ou ne pas configurer d'action du tout. Évidemment vous vous en doutez, si on va sur l'écouteur de droite, Siri, play, pause, morceau précédent, morceau suivant, ou ne rien faire du tout. Et ces réglages-là se trouvent dans les réglages de Bluetooth. Vous allez dans les... Évidemment, il faut que les AirPods soient connectés, donc vous les sortez de leurs étuis, vous les mettez aux oreilles, pourquoi pas. Vous vérifiez bien qu'ils soient connectés au téléphone, si vous avez un Mac, un iPad, etc., qu'ils sont connectés au Mac ou à l'iPad ou à même l'Apple TV, ça ne fonctionnera pas, vous ne les verrez pas dans les réglages Bluetooth. Donc il faut bien vérifier que vous ayez ces écouteurs de connectés au téléphone et que de la musique sorte dessus par exemple, donc c'est pour ça, mettez-les dans les oreilles et jouez un morceau dessus. Et ensuite dans les réglages Bluetooth, vous cliquez le petit i à droite de vos AirPods et vous avez ici la possibilité donc de les renommer, de choisir qu'est-ce que vous voulez quand vous tapez deux fois à droite, deux fois à gauche. La détection automatique des oreilles, c'est quelque chose qui est très pratique. Comme je vous disais, c'est pour le play-pause automatique. Il y a un petit capteur de proximité ici, un autre capteur de proximité ici. C'est le petit point noir rond. Et quand ces deux capteurs sont obscurcis, enfin sont proches de quelque chose, il détecte qu'il est dans les oreilles, il en déduit plutôt qu'il est dans les oreilles. Et ça configure le play ou le pause si un sort des oreilles. C'est aussi pour ça que si vous en avez un dans les oreilles et que vous mettez le deuxième dans la poche, des fois ça, la musique repart toute seule. Voilà, c'était le petit tuto super con pour configurer les morceaux précédents, morceaux suivants sur vos AirPods, configurer des actions spécifiques sur un. Vous pouvez même mettre, comme je vous disais, à nouveau taper deux fois à droite, ça rappelle Siri, taper deux fois à gauche, je sais même plus qu'est-ce qu'il y avait comme option, taper deux fois à gauche, ça met le morceau précédent. Si vous vous servez jamais du morceau suivant, par exemple si vous êtes un ouf gueudin et que vous voulez toujours revenir en arrière quand vous écoutez de la musique, jamais en avant, never ever. Voilà. Pas plus long que ça, premier tuto de l'année 2018, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Comme vous voyez, on a un petit peu changé de disposition, c'est pas impossible que les podcasts XXL reviennent très bientôt. À très vite, ciao ciao.